Zombie Apocalypse. Et salut tout le monde, c'est Chiral, on se retrouve donc pour la suite et je pense que ce sera le dernier épisode sur State of Decay 2. Donc il risque d'être un petit peu plus long. On va essayer, il nous reste deux cœurs de peste à faire, lui a une mission à faire. Et on va essayer de finir le let's play, comme vous avez pu le voir dans la vidéo que je vous ai fait avec un diaporama. Alors ne vous moquez pas, c'était le premier diaporama que je faisais, donc c'est pas si facile que ça. Et ça m'a pris énormément de temps. En tout cas, j'espère qu'il vous plaira. Comme vous pouvez le voir, je vous mettrai un lien en fin de vidéo de toute façon avec le let's play complet de State of Decay 2. Et le let's play sûrement de State of Decay 1. Je vous mettrai les deux. Et les trois plutôt. Et puis, voilà. Peut-être que cet épisode va être un petit peu plus long que d'habitude. Bon, vous me direz, oh, mais on est rodé, tu fais toujours des épisodes d'une heure. Mais là, je vais essayer de le finir, honnêtement, pour être honnête avec vous. Parce que, comme vous le verrez dans la vidéo, il y a des let's play qui s'arrêtent et il y en a d'autres qui vont arriver. Mais je ne vous en dirai pas plus. Vous aurez la surprise sur les prochains jeux. En tout cas, moi, c'est des jeux qui me tiennent à cœur. Il y a des jeux que vous m'avez demandé. Je ne vous dis pas quoi. Vous verrez. Gardez l'œil pour ça. Activez la cloche. Voilà, vous savez ce qu'il faut faire. Donc, on va se faire des kits de réparation au cas où. Hein, parce qu'on va quand même taper du bazar. Un cœur de peste, c'est jamais. Alors, surtout qu'en plus, là, je crois qu'on va arriver à la nuit. C'est pas cool. Vous savez comme j'aime la nuit hein, dans ce jeu. Donc, voilà. Si j'aimerais bien pouvoir le finir là. À défaut, si je vois que ça dure trop longtemps, parce qu'effectivement, il y a les missions, il y a tout ça. Il y aura un autre épisode hein, que je ferai en suivant. Hein, je le tournerai en suivant. Et on arrêtera State of Decay, donc là-dessus. Donc, on va mettre ça là-dedans. De l'essence, j'ai pas pris le bidon, bête que je suis. Pour faire le plein direct, hop, je vais à tout prix passer par là, alors que ce camion, je l'ai garé là justement pour pas que les zombies nous embêtent. Donc, au programme, les cœurs de peste, sa mission à lui, là, d'aller chercher, je sais pas quoi, du chocolat. Il a décrété, vu que c'est le cuistot qu'il allait faire du chocolat, on ne va pas le contrarier, le jeune homme. Voilà, on va se mettre en plein d'essence. Et puis, c'est parti, on va faire sa mission, on va faire les cœurs de peste. Et si on arrive à le finir là, tant mieux. Sinon, il y aura juste un autre épisode, mais je le suivrai d'affilée. Et je vous le posterai d'ici quelques jours. Et on aura fini le let's play sur State of Decay 2. Et comme ça, vous aurez le let's play sur le State of Decay 1 et le let's play complet sur le State of Decay 2. Voilà. Donc, on est parti pour aller là-bas. Je tenais à vous remercier quand même pour tous vos commentaires. Toujours aussi gentils, toujours aussi, encourageants, je dirais. Ça fait énormément plaisir. Merci aux nouveaux abonnés, aux nouveaux arrivants. Ouf là! Bienvenue à vous. J'espère que ça continuera comme ça pour cette année 2021. Qu'on sera encore plus nombreux. Écoutez, bonne année encore. Hein, mais ça, je vous l'ai déjà dit en vidéo aussi. Et écoutez, merci. Je sais que vous dire merci. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait plaisir. Merci beaucoup à vous. Donc, on va aller voir là-dedans. Il va s'occuper des deux zonzons derrière. Hein? Oui, il va s'en occuper. Down, it's locked. Non, il s'en occupe pas du tout. Comme d'hab. Hein? Alors, j'ai monté un petit peu le son. Pour que vous ayez un peu plus les voix. J'espère que ça sera pas trop fort. Ok. Donc, ce serait dans un véhicule derrière. Je ne sais pas. On va aller voir ça. Est-ce qu'il y aurait un véhicule derrière? Non, pas du tout. Alors, donc c'est à l'intérieur, à 6 mètres, 3 mètres, 2 mètres. On va tout fouiller, pas le choix. Donc, on a du chocolat à trouver ici. Fouiller la supérette pour trouver un sachet de pépites de chocolat. C'est bien de risquer sa vie pour un sac de pépites de chocolat.
Mais bon. On l'a trouvé. Donc c'est validé. Comme ça, on peut rebasculer sur notre perso si on est full. C'est une bonne chose parce que allons toujours pas. Déposer le sachet de pépites. Tant que j'aurais pas posé le sachet de pépites, je peux pas changer de personne. De personnage. Alors, ici. Qu'est-ce qu'on a? Vous avez vu dans l'épisode précédent? Ah, là, les médocs, il nous les faut. Donc, on va les poser au sac de la voiture. Dans l'épisode précédent, ça a été chaud. Hein. Il a fallu. Ça a été chaud pour les cœurs de peste. Hein. Les persos, ils sont épuisés. Vu qu'on a mis en chef le constructeur, ben, le problème qu'ils aient passé, c'est que ben, elle avait plein de trucs à faire. Donc, résultat du topo, ça, on va le jeter, on s'en fout. Merde, je voulais le jeter. Pardon. Hop. On a failli les perdre. Hein. On a... Ça aurait été dommage parce que c'est quand même deux bons éléments. Donc, ça a été chaud. On a eu des cœurs de peste. On a été attaqué par une alliance hostile parce qu'on ne les avait pas aidés assez vite. Ce qui risque de se reproduire encore, bien sûr. Et ça a été quand même relativement chaud. Je ne vous le cache pas, l'épisode précédent. Il y a pas mal de rebondissements. Mais tant mieux, tant mieux, tant mieux. C'est sympa quand il y a des rebondissements. Et qu'il y a des choses un petit peu compliquées à faire. Sinon, ce ne serait pas sympa. Alors, dans l'inventaire, j'ai préparé sur lui là, des antidotes pour les cœurs de peste. Donc, on va aller déposer le sachet. Alors, je vous cache pas que si c'est la nuit, j'irai pas faire le cœur de peste parce qu'on y voit que dalle. Donc, j'espère que le son n'est pas trop fort. Il y a du monde là. Un boursouflé. On a un boursouflé à côté de la base. Ah, il s'est explosé tout seul. Elle n'est pas contente, la madame, parce qu'on perd des ressources. Il n'y a pas de plus grande base, là. C'est la plus grande du jeu. Survivant en détresse, de toute façon, il était mort. Comme je vous ai expliqué dans les épisodes précédents, on est à fond, on est full au niveau de la base, donc on ne pourra pas prendre plus. Et le problème, c'est que de toute façon, le temps que j'y aille, de toute façon, même si j'étais arrivé à temps, c'était un survivant perdu, déjà. Alors, on va poser ce qu'on a ici. Et on va regarder nos missions, là, parce que bon, hop. Voilà, mission terminée, donc là, on est bon. Alors, on va regarder au niveau... C'est pas ça. Au niveau de la map, alors on a construction. Alors il faut prendre Kate. Elle est, je sais pas dans quel état elle est notre pauvre Kate. Elle s'est remise. Alors je vais prendre Kate plutôt. Ah oui, mais pour les infestations, ça m'embête un peu. Bon, tant pis. On va poser lui. On va poser ça. On va poser ça. 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 Et ça. On va lui mettre à lui. Une arbalète, hein, comme d'hab, hein, on va pas s'embêter. Ils savent tirer à l'arbalète, hein, je pense. Enfin bon, la base a pas trop été attaquée. Et elle nous parle d'une plus grande base. Le problème étant, c'est que on a déjà la plus grande base du jeu. Donc, on ne pourra pas faire mieux, hélas. Donc ça, il n'en a pas besoin. Ok. Donc Kate, elle est là. On va basculer. Sur ce perso. Ok. Alors, au niveau de Kate, elle a des balles, oui. On va peut-être lui en mettre un petit peu plus parce qu'on a deux cœurs de peste à faire. Elle, j'aimerais pas la perdre, c'est la chef. Donc, ça serait quand même bête. J'ai plus de munitions de ce style. Si. Ici, 7 de plus, c'est toujours bon à prendre. Ok. Ici, on a qui a quelque chose. Alors, attendez. Map. Communauté. Qui c'est qu'on a qui aurait...
je vois en noir. Alors, est-ce que c'est quel... Ouais, ça doit être quelqu'un qui nous visite. Alors, non, pourtant. C'est elle. Alors, parlez à Anna. Je pense que c'est une bonne idée de se chercher une nouvelle base. Tu ne saurais pas par où commencer. Viens avec moi, j'ai vu quelques endroits sympas. Donc à ce moment-là, si on prend Anna, je ne vois pas là du tout ce qu'elle veut me dire parce que honnêtement, si je prends la map, on va regarder ensemble, mais au niveau de la map, je crois qu'on a la plus grande base du jeu, à moins que je ne l'ai pas ouverte. Hein. Donc ça peut être bon à voir si on a une plus grande base. Donc ici, il n'y a pas de base. Toujours des espèces de châteaux forts. Ici, vous voyez, je n'ai pas exploré. Hein. Donc là, c'est habité. Ici, il n'y a pas de base. Ici, il n'y a pas de base. Là, c'est la fin de la map. Ici, il n'y a pas de base. Ici, il y en a une, mais elle est habitée. Et en plus, c'est des alliés. Ici, elle est habitée par des alliés. À moins que je ne l'ai pas découverte. Il me semblait que c'était ici. Non, pour 10, c'est pas possible. Là, c'est pour 5 ici. Donc, non. Alors, hop, 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 on remonte. À moins que je ne l'ai pas ouverte, ce qui est possible. Vous voyez, tout ça ici, je ne l'ai pas ouvert. Donc, peut-être ça serait bien de prendre Anna. Mais c'est un risque. Hein. Là, c'est pour 6 et on est 10. Bon, mais écoutez, on va changer. On va poser l'autre, on va prendre Anna. Ce qui m'embête un petit peu, c'est que pour les cœurs de peste, ce sont des personnages qui ont déjà un métier. Et je préférerais faire les cœurs de peste avec ceux qui n'en ont pas. Mais bon, on va faire comme ça. On va prendre Anna. Par contre, c'est qui que j'avais avec moi? C'était Len, je crois. Donc, je vais prendre son inventaire. Je vais prendre l'arme. Je vais prendre les soins. Je vais prendre ça, ça et ça. Je vais le congédier. Et on va prendre Anna. Alors qu'elle se barre pas entre deux parce que ça c'est super pénible de les chercher. Donc j'espère qu'elle va rester. On peut la voir sur la mini boussole à gauche, mais alors je vais lui donner. Ben, écoute, on va faire. Où elle est Anna? Elle est là. Accéder à l'inventaire. Un petit flingue de merde. Bah bon, il y a de quoi se défendre. Ok. Elle a des soins, j'ai pas vu. Bon, viens avec moi. Ok. Ensuite, donc au niveau de mon inventaire, là, je m'en trouvais plusieurs flingues et plusieurs types de munitions. Ce qui n'est pas plus mal, vous me direz. Donc on va recharger. Alors, pourquoi? Oui, mais elle a déjà gardé Anna en vie, exploré les sites potentiellement intéressants avec Anna. Ok. Je peux pas basculer. Alors, on va aller explorer des sites. C'était pas du tout ce que j'avais prévu, quoi. C'est le problème de ce jeu, c'est que les missions arrivent au fur et à mesure. Et effectivement, s'il y a une plus grande base pour 10, ça serait mieux. Ça serait mieux. Mais je pense que ça va pas être simple à faire. Donc on va aller explorer ça. Donc on en a deux qui seraient à 1000 et quelques mètres là. Donc je ne sais pas exactement. On y va. Bah, écoute, on est parti. Hein. Je vais encore me taper la nuit, tout ce que j'aime. Hein. Hop. On fera les cœurs de peste après. Donc on va aller voir si effectivement, mais il me semblait, honnêtement, il me semblait que c'était la plus grande base du jeu. Hein. Donc là, on a quelque chose à 800 mètres. Scrunch. Serait carrément en altitude, ça va être une galère hein, de monter comme ça à chaque fois. Mais bon,
Oui, on nous demande d'aller explorer les sites. On va aller les explorer. Alors, hop. Bah, il y a les molos, mais il me semble pas que là-haut, il y ait une grande base. Hein. Est-ce que c'est ici? Il y a celle-ci. C'est pas grave. Je me suis mangé le caillou en pleine poire. Alors, il y aurait celle-ci. Est-ce qu'elle est plus grande, celle-ci? Je pense pas. Si on regarde par rapport à la map, on aurait... Excusez-moi. Deux places de garage, ce qui est plus petit que l'autre. On va se débarrasser de lui là parce qu'il va nous casser les pieds. Et on va aller voir là-dedans. Je suis pas sûre, ma belle, parce que c'est vraiment plus petit, hein. C'est vraiment plus petit que pour 10. Hein. Il est où le Lycos? Donc là, il y aurait une grande cuisine. Ouais, ok, mais pour... Il me semble qu'on a déjà la plus grande base du jeu. Hop. Qu'on visite tout l'intérieur. Non, elle n'est pas plus grande celle-là. Mais bon, faut le faire. Hop. Hop. Il nous manque une pièce que j'aurais ratée. Ici. Non, l'autre à côté. L'autre à côté. Alors, si on regarde sur la map, il me semble pas que celle-ci soit... voilà, c'est une zone pour 4. Hein, donc, nous, on est 10. C'est pas bon. Ok, alors, toc, garder un envie à explorer les alentours. Donc, celle-là, non. Qu'est-ce qu'il nous propose après? Je ne sais plus, à 500 mètres de là. Quand je vous dis, hein, il me semble qu'on a déjà la plus grande base du jeu. Hein. Donc, s'il faut garder un envie, on n'est pas dans la panade. Donc, ici, on a un zonzon. Pourquoi fait chier? Pourquoi fait chier? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu râles? Donc, il y en aura une autre à 546 mètres. Alors, map. Où c'est qu'elle la voit l'autre? Donc, ce serait tout droit. Et prendre à droite. Hein. Donc, ici. Ok. Donc, on suit la route. Ah, j'ai mon arme qui va me lâcher, c'est pas bon signe. Parce que celle où on est déjà pas mal. Hein. Moi, je trouve que pour 10, c'est largement suffisant. Il y a assez de place. Hop, ici. Ce serait plus grand ici. Oh, mais c'est le château de Barbie. Hein. Barbie et Ken étaient donc là. C'est une décharge municipale, sans doute. Il y a du monde. Alors, on va faire le ménage. Ah, bah avec une tour de guet. C'est assez comique, là, l'affaire, quand même. Hein. Pour ceux qui me connaissent, ils comprendront mon allusion à Barbie et Ken. C'est une décharge municipale, cette affaire. C'est pas une base. Hein. Hop. Je crunch. Il y en a un dernier ici. Qui est à moitié. Hein. Il chouplope. Hop.
Alors, punch, voilà. Alors, ici, ça serait une base de quoi? Si on regarde sur la map, bon, il faut quand même qu'on la fouille. Ah, par contre, c'est une base où on n'est pas allé. D'accord. Donc, on va explorer le site. Alors, c'est un vrai dépotoir quand même, hein. Je veux pas dire si ça c'est une base. Ou alors c'est peut-être la mission d'Anna. Alors, si on a une place de parking, deux places, c'est beaucoup plus petit au niveau place de parking, vu toutes les voitures qu'on a. Non, elle n'est pas d'accord. C'est beaucoup plus petit, hein, mais il faut qu'on l'explore quand même. Alors, on va passer par là. Hé, ça, tu veux pas passer par là. Bon, tu as décidé de me contrarier. Donc, ici, non. Dans elle sera à étage. Ok. Donc, l'entrée est assez biscornue. Ok. Donc, là, ce serait quoi? Ce serait les toilettes ici. C'est space quand même. Ici. Des toilettes encore. Ouais, c'est beaucoup plus petit. Il y a des trucs qu'on n'a pas vu. Par contre, hein, alors comment je fais pour rentrer là-dedans, moi? Enfin, mais la porte, déjà, si j'y arrive. Voilà. Ça nous évitera que les donjons viennent nous habiller. Ah, il y a une porte là. Pardon. J'ai la voix qui se casse. Et donc, il y a un étage. Non, mais c'est beaucoup trop petit. On est 10, Kate, enfin. Après, vous allez me dire, oh, j'étouffe dans cette. Par contre, ce qui est très bien, c'est qu'il y a les snipers. Ça aurait été bien, mais bon. Ok. 4 sur 5. Il y a donc un endroit qu'on n'a pas visité. Ici, peut-être. Considère ça comme un endroit, non. Elle est toujours pas safe la base. Voyons voir. Non, toujours pas. Anna, tu me gênes pour descendre, merci. Non, non, je t'ai dit de descendre, Anna. Alors, où serait le truc qu'on n'aurait pas vu? Il y a une pièce qui nous manque, ça c'est sûr et certain. Donc là, on a fait le tour, il n'y a rien. Bah, de toute façon, elle est trop petite, hein. Il n'y a pas à tordre du nez, c'est trop petit pour 10. Mais bon, la mission le demande, donc on va visiter. Que dire de plus? On n'a pas le choix. Après, c'est vrai que le problème, c'est que la nuit va tomber. Alors, ce serait par là que j'ai oublié de visiter un truc. Je vois pas d'autres pièces à part les toilettes. Hein. Attendez. Hop, il n'y a pas de porte. Pourtant, on a bien un petit carré. Ça doit être un petit recoin, je pense. En haut, on y est allé, y a rien. Alors, attendez. Ici, c'est ça? D'accord. Moment sécu. Donc, on est en sécurité. Je sais pas, il y a comme un sous-sail hein. À 3 mètres, on a quelque chose. Faudrait que je bascule sur elle. Je n'ai rien trouvé de mieux que ce qu'on a déjà en rentrant à la base. Ok, on s'en va. Allez. Parler à nouveau, nanana, on garde la base. Parce que là, je pense pas qu'on trouvera mieux, hein, de toute façon. C'est bien la plus grande base du jeu. Hein. Après, l'avantage qu'il y a, si vous tombez sur cette base-là, c'est que vous avez la tour sniper, là. Qui peut vous protéger. Mais bon, c'est une base qui est pour le mettre là. Pour 6. Et nous, on est 10. Hein, donc. On garde notre base, on a la plus grande, on va pas s'embêter de ce côté-là. Oula, il y a un petit frise. Ok, donc maintenant, retrouver ma voiture au pays de Barbie et Ken. Là. Je ne sais pas du tout où je m'étais garée. Puis franchement, là, la perte de place avec cette décharge-là, d'autant qu'il n'y a aucun loot. Donc non.
Non, non. Alors, par contre, on a constructeur. Il faut qu'on revienne à la base. Hein. Regagner votre base. D'accord. Donc, par où je vais passer? Je suis là. Non, mais écoutez, on va faire du tout droit. Hein. Et là, est-ce qu'on a exploré? Non. On pourrait peut-être. Si, 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 j'ai ouvert la map. Par contre, pas tout. On a un point de machin là. On va essayer de regarder. Après, je suis très mal pour jouer, je vous le cache pas. Ah, je vais mettre coincé. Hop. Ils sont pénibles à me mettre des voitures partout là. On va aller à la base, donc tout droit. Tout ça pour ça, les amis, hein. Tout ça pour ça. Regagnez votre base. On y va. Et puis on prendra peut-être les deux autres là qui n'ont pas de métier pour faire les cœurs de peste. Oh, cadeau. Je préfère perdre un qui n'a pas de métier plutôt qu'un qui en a. Bien que comme je vous ai dit, pour avoir fini le jeu plusieurs fois, au niveau des survivants, quand vous avez fini une partie, vous pouvez sauvegarder vos survivants. Le problème étant que moi, je suis déjà fou. Bon, après, j'ai un tri à faire. On a quelque chose ici, hop, on va y aller parce que de toute façon il va faire nuit, donc hop, vas-y, descends. Il y a quelqu'un ici, je pense que c'est quelqu'un qui veut faire des échanges. Pour l'instant, on n'a rien. Va aller voir quand même. Stranger nearby. Prudence, on Stay a de la frosty. visite. Oui, maintenant faut se méfier. Hein. On a déjà essayé de nous tuer plusieurs fois. Ah, alors, parler à Joyce, qui est passée où d'ailleurs? Donc, ça c'est Anna. Anna, tu te pousses, s'il te plaît? Merci. Alors, la demoiselle. Si tu as cours de munitions, c'est moi qu'il faut t'adresser. Alors, échanger un mal enclave. Je suis pas vraiment à court de munitions, non? Qu'est-ce que tu as d'autre? Munitions, munitions, flingues, rien qui m'intéresse. Bye bye. On s'en va. Donc on va rejoindre notre base. Donc la nuit va tomber. Donc je ne vois pas honnêtement faire les cœurs de peste de nuit. Je ne sais pas où est ma voiture. Comme d'hab, je suis atroce de ce côté-là. Est-ce qu'ici là on pourrait, on l'a pas fouillé, on l'aurait pas fouillé ça si c'est fouillé. Le problème étant que ma hachette va me lâcher. Hop. Allez. On va essayer de regagner la base et changer de perso pour faire les cœurs de peste. Je pense que ça peut être une bonne idée. Moi, j'ai l'impression que je me rate la route. Je vous assure, cette map, ne la prenez pas. Ne la prenez pas. La tour que je prenne à droite. Oh! Mais on se calme là! Voilà. Lâche ma voiture, comme d'habitude. Ok, donc hop, elle vendait des munitions. Ça nous intéresse pas. On est déjà full. Alors, là ici, c'est très 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 chaud. Il y a là qu'on n'a pas fouillé. Peut-être qu'elle pourrait trouver des choses. Juste à côté de la base, j'ai même pas fouillé, honte à moi. Alors,
Ici, qu'est-ce qu'on aurait? Si je pouvais trouver une arme, ça serait bien parce qu'elle va lâcher la mienne. Hein. Bon, après, il y a la base à côté. Boring. Boring. On va changer de personnage. Ah non, je ne peux pas. Pourquoi ça? Parce que j'ai pas regagné ma base. Très contrariant ce jeu. Là, je pense que c'est de l'essence. Not bad, Ouais, not bad. on va le forcer. On va mettre de l'essence dans celui-là, dans notre voiture. Mais regardez-le, l'autre, avec son pignon sur la tête, là. Il n'a pas l'air couillante, hein. Ah là là, mon Dieu. Alors, on va mettre de l'essence. Voilà. C'est des zombies comiques. Hein. Donc ça, on va le prendre, on va le jeter. Inventaire. Hop, ça, je jette. Mettre absolument pas. Non, non, il ne reprend pas. Oh my god. Inventaire. Hop, on jette. Voilà, échappe. Comme ça, on prend. Est-ce qu'ici on a fini de fouiller? Non, il y aura encore quelque chose. Ben, on est ravis. Non, mais regardez-le, l'autre. Ça vaut le coup d'œil quand même, ça. Le zonzon avec le chapeau sur la tête, là. Qui normalement est fait pour la. Pour la route, quand il y a des travaux. Alors, il doit y avoir un truc caché par là. My dad was obsessed with the Revolutionary War. Ça y est, elle est I partie don't pour think nous he's that raconter sa point vie. now. Puis en plus, il se tape la tête par terre. Ouais, c'est bien un zombie, pas bien. Hein. Pas bien du tout. Je sais pas, on a oublié des trucs là à côté. Je sais pas, je vois pas du tout. Là, il n'y a pas de. Non. Il y a un petit endroit qu'on a oublié. Mais enfin, on va ramener la quête. Hein, on n'en est plus à ça près. Hop, on est à la base. Bon, on va lui faire sa fête au clown. Regardez-le. Voilà. Ben, vous le verrez plus. Voilà. Hop, on va se mettre là. De toute façon, ils repartent. Alors, dans le coffre. Oh, il y a du monde qui veut nous croquer. Ok, donc on va aller vider le contenu de notre inventaire. Il y a une porte par là? Non, il n'y en a pas. Hein. Non. Bon, mon camion était une bonne idée au cas où un mastodonte viendrait. Yo, I'm back and alive. What's good? Voilà, mission terminée. On va vider notre inventaire. Donc on a quoi? On a ceci. Niveau munitions, qu'est-ce qu'elle a dans son sac? Hop, ça, donc je peux poser celui-là. Quoique, on va plutôt. Oui, par contre, je voudrais changer de perso. Il faut qu'elle change d'arme. Changer de perso de façon à prendre les soins pour faire les cures de peste. Alors, hop, on va prendre ça. X, voilà. Donc elle, elle serait OK. How's it going? Ici, basculer sur ce I'm gonna give you a perso. shot to look good. Take it. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a un sac de 8 là qui sert à rien. Au niveau des munitions, ça lui sert pas. Ici, ouais, ça pourrait aller à moins qu'on ait mieux, mais je pense pas. Il y a quand même beaucoup de balles. Mais c'est pas non plus extraordinaire. Il y a 46 ici. Hop. 30, 16. Alors, est-ce que j'aurais un flingue qui correspond à ça? Oui. Ben, non, avec celui-là. Hop, hop, hop. C'est dû.
5,56. 9 mm. Ah, là, ici. 5,56. Équipé. Donc là, cela, on n'a pas besoin. Hop, on va poser ceci. Au niveau de la map, marchand ambulant, on l'a fait. Les baffreurs, ils sont où les baffreurs? Ils sont là. On peut peut-être y aller d'un cours de voiture, se faire quelques infestations pour le truc. Et là, c'est quoi? C'est le marchand ambulant, ouais. Ok, bon, on va aller là-bas. Par contre, pour les cœurs de paix, c'est clair. Ah. Surveillant éparpillé. Alors, activité de survivant à côté. J'espère que c'est pas un piège. Hein, on a déjà donné de ce côté-là. Donc, on y va. Go, c'est parti. Non, j'ai pas pris mes dogs. Et elle ne suit pas, l'écosse. Elle est où, l'autre? Non. Pourquoi ça? Elle est bloquée quelque part. C'est coincé un conteneur, non? Parce que le survivant, il va pas survivre longtemps là. Hein, pourtant, j'ai bien pris. Le moral est bon, tout le monde est content. Elle est toute seule, on va voir. Hein. Normalement, elle me suit. Je dis bien normalement. Oh là, ça tire de partout. Hop. Bon, ben, elle n'a pas l'air de me suivre. Hein. J'espère que je vais pas la faire tuer. Assez ennuyeux. Ouais, je m'en doutais. Les activités de survivants, c'est des pièges. Ah, peut-être pas. Alors, il faut qu'on parle à qui? Parler à Lynn. Lynn, elle est ici. Alors, parler à Lynn. Les essieux caputes ont tué quelqu'un qui m'était cher. Ils vont le payer. Je ne veux pas m'en occuper moi-même, mais si tu m'aides, je pourrai enfin me venger. Non, je ne tuerai personne aujourd'hui. Ça, c'est des missions que je ne fais pas de mon côté. On n'est pas dans le... On n'a pas pris le métier de shérif. Donc, on n'est pas là pour buter du monde. Shérif ou seigneur de guerre, je ne sais plus. Pour ça, vous avez les vidéos tuto où je vous explique tout. Donc, là. Est-ce que je peux le réparer? Ouais. Alors, on va le réparer. Je comprends pas qu'elle soit toute seule puisque je l'avais pris en suivi. J'ai juste fait basse. À moins que je l'ai congédié. Et je serais une crétine. Alors, il faut qu'on aille à... Donc, ici, les baffreurs... Toute seule, bon. On va essayer de s'en sortir. C'est toujours mieux avec deux personnages, mais bon. On prend la route. Il y a un poteau, il est toujours pour moi. Hop, hop. mètres. Hein. Ils vont être en... Ah, c'est ceux d'en haut, my god. Scrunch. Thank you.
J'espère que c'est bien ce que je pense. Hein. Ce complètement à gauche. Hop là. Andouille. J'irai là. Bon, ça va, je me suis pas bloquée. J'ai raté. Toujours. Oh, bonjour. Lâche ma porte, mais c'est une maladie chez vous, les zonzons, ça. Lâche ma porte, tiens. Oh my goodness. On a un bidon d'essence sur nous. Non. Est-ce qu'on en a dans le coffre? Parce que si on l'a pas, ça va être embêtant. Si on l'a. Pourquoi il me dit que ça nécessite un bidon d'essence? Pas du tout. On a le plein. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Alors la nuit, effectivement, on fera pas les gardes de peste. Hein. Alors, il faut qu'on parle à qui? Monsieur, qui serait où? Là, lui peut-être. Non, lui, c'est pas lui. Il serait où en bas? On forme une bonne équipe, mais bien sûr. You might be okay after all. Ah. Alors, lui parler. Aux dernières nouvelles, il a exploré. Alors, schéma les baffreurs. Aux dernières nouvelles, il a exploré la planque de survivaliste. Peux-tu le retrouver? Je peux t'aider, ouais. Gracias. Rendez-vous au dernier lieu visité par Cash. Où c'est que c'est ça? Vous parliez qu'il y a une infestation ou un truc pas très net quelque part. Ici. Ok. Donc, pour y aller, ça va être chaud, là. Donc là, je repars. Il est où, mon marqueur? Ici. Donc, si je repars à gauche, je fais gauche. Gauche, là, j'ai un truc pour me vider, pour vider mon inventaire. Et là, tout droit. Alors, gauche, gauche et droite et gauche. Oh, ça, c'est compliqué. Alors, toujours de nuit, évidemment. Bah, je croyais qu'il venait avec moi. Non, pas du tout. D'accord. Donc, on va continuer notre affaire. Oula, oula, oula. C'est pas bon. Je me suis bloquée. On va se les faire comme ça. On débloquera la voiture. On va débloquer la voiture. Hop. Ça faisait longtemps que je l'avais pas bloqué. Ah, ici. Hop. Bloqué. Bon, nous avons une zombie asthmatique. Ah, mais elle tient chaud que la manana était sur mon capot. Non, t'es plus sur mon capot. Alors, bon, alors on a dit gauche, 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 gauche. Pas du tout. Mec, je continue tout. La nuit, c'est atroce, on n'y voit pas. Et pour se repérer, c'est infernal. À gauche, là, oui, mais je crois que la route. Oui. Tout comme ça. D'autant plus que là c'est stressant dans le sens où je suis toute seule. Donc si j'avais encore une compatriote avec moi, ce serait bien. Ça aide toujours, surtout ici apparemment il y a des infestations partout. Gauche, on a dit gauche. Hein. Ouais. Hop. Elle a les phares. Ouais, en plus elle a les phares, j'y vois Kutch. Hein. Et là, hop, j'ai dit ici. Est-ce
que j'ai le temps sans qu'on m'agresse. Map, je suis là et... Ah, c'était de l'autre côté. Que je reparte dans le sens... gauche 700 mètres. Qu'est-ce qui nous attend encore? Hop là, j'espère que c'est pas des infestations. What? Ouh, là il y avait mastodonte ici, hein. On a bien fait de se carapater. Le mastodonte, c'est pas celui que je préfère dans le jeu, pour être honnête. Donc là, le lac est là. Ce serait par là. Donc, il va falloir en plus de nuit passer par la campagne. Tout pour plaire. Hop là, boum. Disons-en là. Je n'y vois absolument rien, je vous cache pas. C'est vraiment pas évident. C'est pour ça que j'aime pas la nuit dans ce jeu, est épouvantable, atroce. Lâche ma porte. Oh. Attendez, il est où? Il est là. Alors, qu'est-ce qu'il a, lui? Il nous fait une petite crise parce qu'il veut pas... Pourquoi il court? Tu sais que le but, c'est que... Pourquoi il s'en va? Le but, c'est que je te rattrape et cache. Ah ouais, mais mec... Oh, 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 oh. Je vais pas te courir après 100 ans, moi, là. Okay, that was seriously weird. Il s'échappe, ben ouais, mais elle est mignonne. Ils sont mignons. Non, mais seulement, ils m'ont amené jusque-là, c'est pourri. Rattraper cache. Échec de la mission. Je suis pas allé assez vite. Je croyais qu'il m'attendait, moi, le mec. Non. Il s'est échappé. On s'en fout. Faire attention à nous, surtout là. Ici, là, on a un point de vue. On va le monter. Hop. Alors, ici. Ouh, toi, tu es aussi là depuis très longtemps, je pense. Hop. En espérant que le jour va se lever. C'est vrai que là, c'est pas génial. Hein. Est-ce qu'on va pas se les mettre à dos du fait qu'on n'a pas réussi à rattraper Cash? Je ne sais pas. Mais en même temps, on arrive à la fin, donc... Hop. Ici, est-ce qu'il y a des choses? Ça a l'air, mais il faut que je fasse le tour. Il y a quand même pas mal de zonzons autour de moi. Hein. Donc ça, on va le jeter, pour être honnête. Un sac de 7, on n'en est plus là. Voilà, tous les petits points jaunes là, c'est des zonzons autour de moi. Hein. Donc, s'ils pouvaient me becter, je crois qu'ils seraient contents. Par contre, je sais plus où j'ai ma bagnole, c'est le problème. Là, juste là. Que je fasse gaffe quand je démarre surtout. Donc, au niveau de la map, sécuriser ce territoire lequel hein. Ah, ben oui, mais là, j'ai rien pu faire. Hein. Je n'ai rien pu faire. Donc, on n'a plus de mission ici. Le marchand ambulant. Ici, c'est des alliés. On n'a pas d'ennemis dans le... Non. On va... Alors, on va... Je vais revenir à la base. Et puis, je vous récupère une fois que je suis rentré à la base. Sauf changement de programme. S'il y a quelque chose, ben, je vous reprends. Voilà, à tout de suite. «
Donc on se retrouve donc sur la route. J'étais en route pour rentrer vers la base, comme je vous le disais, où j'ai eu un signal mystérieux. Et vous savez que les signaux mystérieux, c'est jamais bon signe. Donc là, par là, il y aurait une route. Mais franchement, là, vous y voyez, vous, pas moi. Hein. J'espère que je vais pas me taper. Voilà, ça m'embêterait. Et de perdre le véhicule. Et de perdre la perso. Là, j'y vois rien du tout. Wow, 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 wow. 300 mètres. On va arriver, elle va être morte. Hein. Ça va être encore un problème. C'est pas une quête survivante, c'est signal mystérieux. Je les aime pas trop, ces quêtes-là. Ça cache jamais rien de bon. Comme je vous dis, je suis toute seule, quoi. C'est pas... comme quand on est à deux. Là, je sais pas trop chez qui on est ici, et non, là il y a beaucoup de zonzons qui arrivent. C'est la base qu'on a visité tout à l'heure, il me semble. Ça fait erreur de ma part. Elle serait où, la madame? À l'intérieur ou je ne sais pas. Elle est bien cachée en tout cas. T'es où On n'y voit absolument rien la nuit. C'est impressionnant. Là, je me retrouve. Donc voilà, je suis où? Je suis dans une base en tout cas. Elle est dedans. Elle est dedans. Bah écoutez, on va pas s'embêter. Elle est où? Ici. Le marchand a quitté la zone. Donc, le Red Talon qui parlait. Mon ami est allé voir un marchand, mais il n'est pas revenu. Tu pourrais partir à sa recherche. On va accepter. Oh, okay. Mais bon, j'ai peur qu'on se retrouve dans un problème. Elle vient pas avec moi, c'est chiant ça. Hein. Il n'y a pas d'autre mot, excusez-moi, mais c'est chiant. Ils demandent toujours de l'aide, mais ils ne se bougent pas. Hein. De leur côté, il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils viennent vous aider. Il faut toujours aller leur chercher leurs copains, leurs machins, leurs trucs. Mais non. Et puis, je suis sûre qu'on va tomber, elle va être morte, l'autre. On va arriver à 500 mètres. Hein. Bah, écoutez, on va tenter l'expérience. Hein. Si, par contre, il y a des zonzons. Il y a des zonzons. Alors, à 500 mètres, c'est quand même au niveau de la map. Et j'ai un bidon d'essence. Ouais, on va faire le plein. Au niveau de la map, c'est où alors son signal mystérieux? Il est là. Ah ouais, non, c'est pas la porte à côté quand même. Donc, faut que je prenne le petit chemin de droite là et retrouver là. Ok. Il y a un petit chemin à droite. Hein. De nuit, j'y vois super bien. C'est cool. Donc, je récupère le petit chemin à droite, là. Donc, tout droit. Voilà. Et là, il y a un chemin ici. D'accord. Bon, j'ai une infestation. À 400 mètres, hop, 300 mètres. Aïe, 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 pauvre voiture. Il a fait crunch correct. Oh my god!
Alors, je suis bloquée encore, donc on va appeler la radio. Bloqué, on bouge pas. Voilà, il n'y a que lui là qui va nous péter la portière si on le tue pas. Non. Mais nom de Dieu, de bonsoir. Alors, au niveau de la map, on est, il nous a TP où là? On est où? Juste là, donc on va aller. C'est juste derrière nous en fait. Hein. Non, on va aller tout droit, on va récupérer la route. Tout droit. C'est derrière moi, mais derrière moi, c'est le Bronx. On va aller par là. Au niveau de là. Je suis ici. Et je, il faut que j'aille à l'opposé. Donc, ben, il faudrait que je prenne là, le petit détour des écoliers. Mais bon, tout droit et à droite. Hein. Tout droit, à droite. Hein. Rien du tout. C'est bon par là. C'est compliqué parce que quand on a tous les zombies sur les fesses, surtout là, eux ils sont hostiles, je crois, à gauche. Hein. Si je dis pas de bêtises. Quand on a tous les zombies comme ça sur les fesses, on n'a même pas le temps de regarder notre map. Hein. C'est derrière moi. Peut-être que je vais pouvoir récupérer là par la droite. Hein. Waouh, ça s'appelle manger du poteau. Et là, par là. Écoutez, que vous dire que non, on peut pas. Hein. On peut pas. La nuit, c'est atroce. Hein. C'est vraiment atroce, atroce, atroce. Alors, on va essayer de récupérer la route. Là, faudrait que je prenne à droite à ce moment-là. Ouais, voilà, 400 mètres. 300. Sur la droite, il n'y a nulle part, là. Non, là, je pète les murs. C'est ce que je fais. Ça serait là. Alors on a du zonzon. Je pense pas qu'elle ait survécu, la dame. Hein. Je veux pas dire, mais je ne crois pas que la dame ait survécu. Alors. Hello? Ah si. You're around? Oh. I'm right here. Ok. J'ai besoin d'aide pour amener tout ça là-bas, mais je suis malade et j'ai trop de trucs à porter. Tu peux m'accompagner, bien sûr. Oh, allez, viens. Come see me for a minute? Okay, va falloir que je... Aïe, aïe, aïe. Il va falloir que le temps qu'elle... Il faut qu'on continue à parler avec elle. J'ai bien peur qu'il va falloir qu'on la défende le temps qu'elle fouine. J'entends des zombies qui approchent. Si tu utilises cette bouteille de bloc odeur, on pourra passer discrètement à côté de... Non. Voilà, on la prend si tu veux, mais je ne le prendrai pas. On va
prendre dans l'inventaire, mais on va pas s'en servir. The creeps are gathering. We should be ready for an attack. Eh bien, on va aller à la voiture. Viens avec moi. Oulala, là là, le monde! Regardez ça! C'est horrible! Moi, c'est ma voiture, je me casse! Ils ont couvert ma bagnole. Hop! Non, mais c'est une horreur là. Regardez ça, c'est pas possible. Il y en a partout! Je suis envahie! Ah, c'est même plus des infestations là, c'est un envahissement là, au secours! Bon, elle est morte, hein. De toute façon je pourrais rien faire pour elle. Escorter Jen, c'est raté, hein. Je crois que Jen l'a perdu. Hop. Hé, hey, pourquoi tu recules pas? Regardez ce nombre de zombies qu'il y a, quoi, c'est impressionnant. Je crois qu'on pourra pas la ramener à la base, hein. Ce maudit screamer. Bon, c'est mieux, mais bon, je pense qu'elle est morte. Hein. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord avec moi sur ce point-là, je pense. Hop. Ouais, ouais, non, mais tu le vois, mais non. On va remonter. Il y a du monde. Toi tu vas crunch, voilà, t'appelleras plus personne, hop, là on va descendre, il en reste que quelques-uns. Oh la vache, c'était infernal. Ils peuvent pas me toucher là, donc je vais remonter. Là. Ok, donc escorter Jen jusqu'à ça va. Eh bien ça a été chaud encore là, là je le vanne dans un état. Est-ce que j'aurai par hasard quelque chose pour réparer? Que là, oui, ce qu'on s'est mangé là, c'est énorme. C'est énorme. À l'autre, elle va se transformer en donjon, il va falloir que je la tue. Donc, soit attendre que je te ramène. Hop là. Oui, non, mais je peux réparer deux fois même. Hop, ils m'ont tout pété. Remarquez, avec ce qu'on s'est pris dans la tête, la voiture va pas être un bon truc. Hein. Hop. Non, non, descend, 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 descend. Descend. Merci. Hop. Mais, ah oh, ces PNJ sont vivants. Ils font ce qu'ils veulent quand ils veulent. What? Qu'est-ce que c'est ce bordel? Alors, je ne vous cache pas que ça n'a jamais fait ça dans mon jeu. Vous voyez la voiture? C'est une blague, hein? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je n'ai jamais vu ça dans mon jeu, je vous le promets. C'est la première fois. Ah non, ma bagnole. Ah non, mais moi, je la récupère. Hein. Il n'y a pas à tordre du nez. Il faut qu'on récupère la voiture. C'est quoi cette affaire?
My God. Elle a quoi ma voiture? Pourquoi elle est vivante, la bagnole? Là, j'ai un énorme bug. Voilà. Je peux rien faire. En fait. Wow. Je viens de la réparer, hein, ça fait plaisir. Boîte à outils requise. Compliqué là, j'en ai plus qu'une. Hein. Dans l'état où elle est, si elle me repart en vrille dans les airs, là. Ça m'a jamais fait ça dans mes parties, je vous promets. Hein, c'est la première fois. Vous auriez raté un super bug là. Et ça recommence? Mais c'est pas possible. Hop. Écoutez, on va conduire. On va faire qu'on est bloqué. Au secours, ma voiture est vivante. Bloquée. Waouh. Ok. Je sais pas trop où ils nous ont amené, mais il y a pas mal de zombies. Elle va se transformer. Je me sens arriver la faire, mais si vous saviez. Alors, elle, il faut qu'on la ramène à sa base qui est là, dans l'état où est ma voiture. Oh, my God. Hop. J'aurais une route là. Pas intérêt de lui foutre un pignon de trop. Hein. On la perd la voiture. Sans blague. Hein. Alors là, je peux pas vous dire ce qui s'est passé. Hein. Honnêtement, c'est gros mystère pour moi là. Mais c'est pas possible. J'ai eu un bug. C'est une blague. Dites-moi que c'est une blague. Il faut que je repasse par cet endroit-là. Catastrophique. Mon Dieu. Hop. Il y a les mollos. Je suis super concentrée, j'ai vraiment pas envie, je vous le dis, de perdre la voiture. Je suis plus du tout dans le... Ouh là là, que de frayeur dans cet épisode, hein. Franchement. À se taper les 2-3 zonzons là qui nous cassent les pépères là. Aïe, lâche-moi. Ok, allez, viens, toi, rentre dans la baraque là avant qu'on te, que tu te transformes, ça m'arrangerait. Là, voilà la porte d'entrée ici, on peut passer. Quoi. T'es ouf. Merci de m'avoir sorti de là. J'ai trouvé d'autres bouteilles de bloc odeur. Une station de nettoyage, ça t'intéresse. On prend la station de nettoyage, le bloc odeur, on s'en fout. Ok. Eh bien, nous, de notre côté, on va rentrer à la base. Parce que là, il faut vraiment réparer le van. Hein. Franchement, c'était quoi ce bazar? Je vais peut-être attendre, moi, de mon côté, que la nuit se termine. Donc on a quoi là? Il faut qu'on échange avec Kate, donc qui est la chef, faire la mission constructeur. Et puis il faut que ben, on éradique ces deux cœurs de peste pour finir la partie. Hein. Sachant qu'ici, attention, ils sont hostiles, hein, ils sont pas copains avec nous du tout. Voilà, du tout, du tout. Donc on a deux cœurs de peste à tuer. Donc je vais essayer moi hors vidéo de retourner à la base. On prendra Kate, on changera de perso. Et puis, je pense qu'on en restera là pour cet épisode. Et le dernier épisode que je vais vous tourner en suivant, et ben là, par contre, on fera les deux cœurs de peste. Hein, on va pas traîner trop longtemps.
On fera la quête constructeur, effectivement, parce qu'elle est importante pour le chef. Et après, on ira faire les deux cœurs de peste. Voilà. Donc, je vous retrouve dès que je suis revenue à la base. Et puis, on en restera là. Ok, on se retrouve donc à la base. Je vous dis pas que ça n'a pas été une partie de plaisir pour la ramener. Et ça a été très compliqué. Donc, on va en rester là pour cet épisode. Je vais vider l'inventaire. Dans l'épisode suivant, pardon, ce qu'on fera, on fera les deux cœurs de peste pour terminer le let's play là-dessus. J'espère, mais il faudra d'abord, bien sûr, qu'on fasse la mission constructeur. Ça, on va laisser tomber, hein, on s'en fout. On fera la mission constructeur. On va prendre donc là, on va prendre Kate avec nous. Elle, on va la laisser se reposer. Donc, elle, il faudra qu'elle aille ici chercher sûrement quelque chose. Donc, on va prendre quelqu'un avec nous. Et déjà, on va réparer la voiture parce que là, franchement, le bug, il est à mettre, mais vraiment en temps fort. Il était trop magnifique, ce bug. Je n'ai jamais eu ça dans mes parties. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve, j'espère que dans le prochain épisode, on le terminera. Sinon, comme je vous avais dit, c'était 1, 2, voire 3 épisodes supplémentaires. Mais si on ne finit pas dans la partie suivante, parce qu'on a quand même la quête de Kate à faire... pour chercher des composants, il faudra sûrement retourner à la base et ensuite on ira avec deux persos finir les deux cœurs de peste qu'il y a là et je pense qu'on aura terminé le gameplay. Voilà, sur ce, plein de bibi, plein de zouzou, j'espère que ça vous aura plu, puis on se retrouve très vite pour la suite. Moi, je vais tourner l'épisode en suivant, je vous le posterai un petit peu plus tard, mais en tout cas voilà, je vais le tourner en suivant et comme ça moi je sais que de mon côté ce sera terminé. Voilà, je vous fais plein de bisous et à bientôt. Bye bye.